Fais le bien bonjour de d'habitude. Oui. Clap. Deux fois. Eh bien, bonjour. Je ne suis pas Max, c'est pas Loïc. Non. Je suis Max et c'est Loïc. Enfin, après tant d'années. Oui. Tant d'années et tant Ah oui, ça fait un an. On n'avait rien sorti. Ah non. Parce que moi, j'ai tourné la dernière vidéo de la chaîne. Chronologiquement, c'était les boîtiers. Ah oui. Et c'était en octobre 2023. Et vous avez une version de merde parce que mon PC a... Ouais, cramé. Mais ça va, en vrai, c'était, je l'ai regardé, c'était quand même... C'était un pré-rendu. Ouais, bon. J'avais pas retravaillé le son qui fait tout. Tu sais, c'est finalement très typique de cette chaîne, finalement. Donc voilà. Et donc, c'est pourquoi vous l'avez attendu aussi longtemps, parce que bah, plus de PC, plus de fichiers. Et plus de temps, et il me restait juste ce pré-rendu, on a fini par le balancer. Ben voilà. Bah ouais, c'est tout, ouais. Allez, terminé. Non, plus précisément. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis autour de cette table pour vous parler. Vas-y, c'est ton boulot. Ouais. Oh non, moi j'en fais, mais je me parle. Une Frankenstrat. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, j'y connais rien en Frankenstrat. Et heureusement, lui non plus. Mais rien du tout. Donc, Frankenstrat, c'est la guitare de Van Halen. Eddie, Edouard. Ouais, pas la ceinture. C'est de l'astronomie. V2. Apparemment, la V1 était blanche. Elle était carrément blanche, la V1. Ouais. Elle avait un trémolo 2 points Fender. 6 points Fender. 6 points Fender. Autant dire que le mec devait bien se faire chier. Ouais. Corps en freine, la V1. Parce qu'il s'est baladé chez Charvel à l'époque où Charvel c'était un atelier. Il a vu un corps en freine par terre. Il a dit ça, c'est bien, je le veux. Et il voulait une Ibanez Destroyer, mais qui n'avait pas de trémolo. Donc il a choisi de se faire sa Partcaster. C'est un peu ça en fait. Ouais. C'est peut-être finalement la Partcaster la plus célèbre du monde. Alors visiblement, sur la V1, la V2, je sais pas, j'ai pas trouvé l'info, le micro était factice, le sélecteur était bidouillé. Là, tout marche sur celle-ci. Alors tout fonctionne, le sélecteur il est fonctionnel, c'est juste que c'est un sélecteur relique. Le micro est pas branché, mais en réalité il fonctionne. C'est-à-dire que si tu le branches, je pense pas que ce soit un micro de fou. Je pense que visiblement c'est un truc qui sort des usines Fender. Peut-être un micro mexicain vraiment, vraiment bas de gamme. De toute façon, mettre de l'oseille pour un truc qui ne va pas servir, ça ne fait absolument pas partie de la politique marketing de chez Fender. Donc clairement, si tu le branches, à mon avis, ça va te casser les oreilles. Même le sélecteur, hein, moi je m'y risquerais pas. Déjà, Le sélecteur, le sélecteur, c'est un CRL US. Hein. Le sélecteur, c'est par contre, c'est un vrai sélecteur américain. Like that. Ouais. Le son du ressort, au premier claque, tu l'entends. Non, le sélecteur, c'est un CRL US. On les reconnaît au petit ressort et la couleur de ça qui est un peu vert jaune transparent. Mais celui-là, il a le cancer. Ah, il a le cancer, mais c'est à la mode. C'est relique, donc c'est plus cher. Le micro chevalet. Bah, c'est une bonne question, le micro chevalet. D'origine, c'est un PAF Gibson. D'origine, mais... Parce qu'il voulait du gras. Mais il voulait du gras. Alors, tu vois, regarde. Ça, c'est la magie d'Internet. Le micro d'origine. Moi, j'aurais été lu, j'aurais collé un gros Dimardio. Est-ce que ça existait, Dimardio? Oui, bien sûr. Escalier qui craque, les enfants. Escalier qui craque, vidéo réussie. Bah, c'est un micro Wolfgang, en fait. C'est un micro de chez EVH. Oui, parce que depuis, EVH est devenu une marque. Oui. Pour les amplis comme pour les guitares. Parce qu'au départ, il avait une Partcaster et des amplis Pivi. Non, même pas, des Marshall Modded, peut-être, au tout début. Marshall Modded, hein. Ouais. Après, il a eu des amplis chez Pivi, 51-50, ouais. 61... Non, 60, je sais plus quoi. Et puis Fender a racheté tout ça, a mis la marque EVH dessus. Il a même eu des guitares chez Pivi. C'est Jack White qui jouait avec une EVH, ouais, sur certains lives. Et c'est marrant, tu vois, parce que du coup, c'est Fender qui fabrique Truss Rod Levinson. Et ça, c'est typique de chez Charvel, quand même. Bah... Bon, après, tu me diras, Fender, Charvel, même combat. Hein. Ouais, aujourd'hui, même combat. Et est-ce que cette guitare-là, elle a plus sa place dans le catalogue Fender ou dans le catalogue Charvel? Dans le catalogue Charvel. Dans le catalogue Charvel, hein, ouais, clairement. Ouais. De toute façon, une Strat avec un Floyd, clairement, t'es marié avec, quoi. Donc, sauf si elle est... moche. Non, en fait, elle est belle. Non, il dit des bêtises, elle est jolie. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, quand tu t'appelles Jack White, c'est tout. Ouais, ça peut être... Ou Eddie Van Halen. Ou Eddie Van Halen. Bon, en tout cas, le manche est cool. Il est pont... Ouais, ouais, dit l'assistant. Est-ce qu'il est là, en vrai? On l'a pas de tête, genre. Il va revenir. Pour moi, il manque un truc au niveau de la tête. Et bon, quoi? Une clope. Pour faire une Clapton.
Ah mais c'est trop cher, mec. C'est trop cher, d'accord. C'est fini, ça. Avec les riches qu'on voit d'avoir un cancer du poumon. Mais non, hein, franchement, bonne lutherie et tout. Alors, ouais. Comme on disait un petit peu dans la préparation, le côté manche noire, bon, t'as l'impression que t'as un type qui l'a enduit de cambouis. Ouais. Mais partout, hein, c'est-à-dire que même tu le démontes, en dessous, c'est noir. C'est sûr. Donc bon, voilà, il y a ce côté un petit peu artificiel. Mais à l'aspect, c'est moins relique que ce que je pensais. On est là aussi pour vous donner le toucher, parce que si vous ne pouvez pas l'essayer et que vous la commandez neuve... Elle va être à vendre, mais elle ne va pas rester longtemps à vendre. C'est pas troublant. Parce qu'on a déjà... Le profil, déjà je ne sais pas ce que demandes. C'est, par contre. C'est un U. C'est un C. Un C. Oui. Très plat, bizarre. Ouais, si, c'est un C. C'est un C très... C'est un C, en fait, tu as l'impression qu'il est plat, parce que ceci est... Alors, c'est pas quelque chose que moi j'aime beaucoup, mais c'est un radius compensé. Ah, ceci explique cela. C'est vrai que là, il est... Ouais. Tu vois, même le, finalement, le un radius compensé, tu expliques. C'est-à-dire que là, c'est vintage. Ici, t'es à 12. Et là, t'es chez Ibanez. Et à partir de là, t'es à 16. Donc, en fait, t'es à 12, grosso modo. T'es comme ça, jusqu'à la 12e case. Et plus tu descends, plus c'est plat. Pour le faire c'est un radius c'est compensé. Génial. Voilà. Alors, demain, t'as une planimétrie à faire là-dessus. Tu fais ta planimétrie en 12. Et après, tu fais ta planimétrie en 16. Elle va pas passer le 16 en 12, parce que là, ça va faire très mal à ton portefeuille. Voilà, fabriqué au Mexique, ouais. Qui n'a plus rien à voir avec la... Dans les usines Fender, hein, on le répète. Oui, tout ça, c'est chez Fender. Ouais, il n'y a que eux qui ont... C'est un corps en tilleul. Ouais, alors ça, par contre, déception, quoi, tu vois, corps en tilleul. Moi, j'aime bien le tilleul. C'est bien parce que c'est léger, c'est des corps qui sont un petit peu c'est aériens fragile, quand même. Par contre. Ouais, c'est fragile, ouais. Mais c'est doux, c'est rond, et à la limite, c'est un esprit Gibson, à l'origine. Paf Gibson, corps en frêne. Et le tilleul étant Gibson, très rond. Ouais, mais je le trouve trop rond, le tilleul. Ça manque un peu de... Ça manque d'acajou. Non, mais c'est vrai. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je m'intéressais beaucoup au tilleul parce que si tu veux une forme Fender Esprit Gibson, c'est pas mal. Parce que c'est très doux, c'est rond, le tilleul. C'est pas claquant. Je suis pas excessivement d'accord parce que ah, ça, c'est vraiment tu vois, l'aspect sonore du bois. Je pense que c'est vraiment destiné aux gens qui savent exactement ce qu'ils veulent. Moi, je fais partie de la team. Une Les Paul, ça doit être lourd. Donc ouais. Là, clairement, effectivement, on a une idée de son, de machin, mais dans l'aspect pur, t'es loin. Elle est sortie quand, celle-là? Bon, c'était introduit au catalogue, je ne sais point. 2000, VH 2000. C'est une très bonne question, t'as quoi comme... Ouais, c'est peut-être de 2000, ça. Hein. Et elle est mais encore ça vendue. Ça m'étonnerait, je pense qu'elle est... Elle est encore vendue, non? Référencée depuis juillet 2020. D'accord, et elle est à combien? 1444, tout neuf, catalogue. Alors? Catalogue Thomann, hein, donc tu te doutes que le magasin est plus cher. Ouais. Un Floyd, un corps en tilleul, ouais. Un double, un manche autoroute non. Radius compensé. Non, ça les vaut pas. Non, mais c'est le prix d'une Ibanez Stevenson. Je pense qu'elle est clairement là. On est obligé pour... de débattre sur Stevenson. Non, mais on s'en branle de Stevenson. Oui, elle est clairement là pour concurrencer ce que fait Ibanez en ce moment. Avec du Van Halen. Pour moi, elle est, en termes de symbole historique, elle est clairement au-dessus de ah ce que va représenter Ibanez. Oui. Malheureusement, au détriment d'Ibanez qui fait d'excellentes guitares. Mais non, là, on est clairement dans l'objet marketing. Mm. On est clairement dans l'objet marketing. On est dans l'objet... voilà. Je sais comment je marche. J'ai des puces éclatées. Objet marketing. Ouais, tu l'as dit. Voilà. Et pourtant, celle-ci, elle est moins chère. Mais retourne-la aussi pour expliquer pourquoi. Bah, ça se voit, non? Voilà, oh, c'est ça que je voulais parler. Voilà. Bon, est-ce que je mettrais 1400 balles là-dedans? Non. Je pense que c'est pas nécessaire d'expliquer aux gens que ceci est un modèle Hendrix parce qu'elle a la grosse tête, un peu comme toi en ce moment, là. Pourquoi tu le fais venir pour t'acharner contre lui? Ouais, en fait, c'est moi, tu vois, je viens sur mon temps libre et tout, je me dis, vas-y, ça va être cool, mais je m'en prends plein la gueule à chaque mais fois. Mais il est content. Faut lui apprendre la dureté de la vie. Ouais. Enfin bref. Faut lui apprendre la dureté de la vie. Ouais. Est-ce que ça vaut 1400 balles? Non. Moi, perso, si je veux une guitare comme ça en tilleul, je vais chez Ibanez, je prends une Blazer ou un truc comme ça, là. Non, mais en vrai, ça peut les valoir, mais une fois de plus, l'objet vaut le fait, si on s'arrête strictement aux pièces et à la qualité, enfin la qualité, non, je peux pas dire qualité, mais au spec des pièces, non, ça ne les vaut pas, mais l'objet marketing fait que. Est-ce que c'est joli si tu aimes Van Halen? Ouais, et, de ouf. Et est-ce que ça sonne? Oui. Ah oui, ça, par contre, ça sonne. Ouais, ouais, c'est... Il n'y a pas de sujet non plus là-dessus. Comme tu feras pas du cabrel avec ça. Enfin, si, tu peux, mais ça va être moyen drôle. C'est bien ajusté. C'est très bien ajusté. C'est très bien ajusté. On reconnaît Max Nantes.
J'amène une guitare neuve, Daphné Blue, je sais pas quoi. Il me fait, ah, je l'ai signé. Ça fait partie du Rassurez-vous, il fait ça qu'avec les guitares de ses potes, les clients, il n'y a jamais de problème. Non, 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 tu vois, non, mais c'est vrai, il faut dire la vérité, mais ça m'est arrivé une fois, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, une fois, ça m'est arrivé de devoir remplacer la guitare. Ouais, non, mais j'étais fatigué, très fatigué, et en fait, je veux aller vite, et ce métier-là, faut pas aller vite, et en fait, j'enlève le sillet d'une guitare classique, et en fait, avec ma pince, je rip, et en fait, je fais une rayure, mais je fais pas une rayure, je fais une encoche. Donc là, flemme de réparer, j'ai pas envie de revernir une guitare STV à 300 balles, donc assurance, on a des assurances, c'est fait pour, et remplacement, et puis voilà, puis le mec, il est content, parce que la lutherie de la nouvelle est mieux que l'ancienne, voilà. Donc non, des fois ça arrive, nul n'est à l'abri. Tiens, le Floyd, tu nous en as pas parlé. Il est sous licence. Floyd Rose sous licence, oui, bah forcément, ouais, Floyd Rose sous licence. Alors sous licence, ça sous-entend que toi, tu as le droit d'apposer ton logo, mais c'est Floyd Rose qui le fabrique. Et généralement, le sous-licence, il est un peu relou à régler. Parce qu'il est sous licence, tu vois, c'est pas vraiment le vrai fabriqué, même chez Floyd. Tu vois, je suis même sûr qu'il est badgé EVH là dans le fond, non? Ou c'est le logo? Il est badgé là. Et c'est pas, et dans le fond, c'est pas le logo sur le bloc. C'est pas le logo Floyd dans le fond. Ouais, de toute façon. Si, bah si, mais tu vois, c'est, ouais, pourtant, c'est écrit Floyd Rose quand même. Mais c'est vrai qu'après, c'est des petites spécificités. Mais tu vois, t'as le petit outil de réglage d'intonation sur les Floyd Rose spéciales qui sont sous licence et l'original. C'est pas. Il y en a un, c'est facile. L'autre, c'est un peu plus dur. Ça, vous aurez compris qu'il aime pas les Floyd. Alors. J'aime pas, tu vois, regarde. Il aime pas le tilleul. Il va te dire que j'aime pas, mais. Et pourtant, mais tu vois, il vous dit qu'elle est bien. Là-dessus, j'aime bien. Et tu vois, essaye de trouver une différence entre le sous-licence. Tu vois, il y a une différence. C'est pas les mêmes. Tu vois, là, ici, c'est pas les mêmes tailles, machin. C'est un peu plus galère. Ah, oui. C'est un peu plus galère. Puis là, t'as juste écrit Floyd Rose. Mais ça dépend pas de l'année. Non, bah non, ça dépend du fabricant. Là, ils sont pas cassés les couilles, ils ont pris un original. Mais je pense qu'à 3 200 € la guitare, oui, tu prends un original, quoi. Puis ça ferait con d'écrire Fender sur un Floyd, non? Donc non, j'aime bien le Floyd, mais quand il est... ça correspond au style de la guitare. Là, ça, sans Floyd, c'est moyen drôle, quoi. Ah si, une V1. Mais elle serait pas vendue. Même lui, bah si. Elle est blanche. Mais oui, puis de toute façon, s'il avait un, elle lui allait. Il aurait pas fait une V2, le mec. Et question de merde, mais je suis là pour les poser. T'as déjà eu des PV type VH entre les mains? Enfin, tu sais, les anciennes. Non. Parce que c'est ça coûte plus rien. C'est devenu tellement rare. Alors, il y a une phase où. Une phase dans l'année. Tu sais, dans la frise chronologique, on avait ça en maternelle, les dinosaures et tout. Là. La frise chronologique de la guitare, il y a un passage où la guitare japonaise, clairement, elle vaut son poids en clous. Ouais. Donc les mecs les achetaient à tour de bras, les défonçaient allègrement, et il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu, tu vois. C'est finalement, il y a une sorte de génocide avec les guitares japonaises. Il y en a certaines qui ont survécu, mais les trois quarts, elles ont été flinguées. Donc en fait, non, c'est des guitares qu'on ne retrouve pas malheureusement sur le marché actuel. Parce que c'est quand même, ça c'était une ère qui s'est passée, je dirais, années 80. On est début, on va dire, on va cibler début 70 jusqu'à à peu près fin 80, où les premières guitares japonaises arrivent. Voilà, c'est clairement, les mecs achètent ça parce que tout ce qui est italien, européen, c'est de la merde, mais vraiment de la merde. C'est du poids de cagette assemblé à colle blanche, quoi. Donc, non, les guitares japonaises proposaient une vraie lutherie, une électronique à chier. Et en fait, c'est pour ça que les mecs modifiaient, parce que... Bah parce qu'un micro américain rentrait pas forcément dans une guitare japonaise, donc ça y allait à coups de burin et de marteau. Et voilà, moi j'ai déjà eu des Greco enfoncés au ciseau à bois. Alors oui, sous le pickguard ça se voit pas. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire là? Bah le même mec, il a voulu rentrer un double dans un simple. Et il a ouvert ça au ciseau à bois. Ça passe pas. Bah oui, et du coup, toi t'ouvres et tu fais, what? Elle est légère ma Greco, bah tu m'étonnes toi. Il manque 4 cm carré de bois. Ah non, c'est... Donc c'est malheureux, mais les guitares japonaises ont malheureusement souffert de ça. À l'instar des guitares américaines, surtout, enfin Fender, surtout Fender fin 70, début 80, excusez-moi, mais elles sont assemblées avec le cul. Hein. Vraiment, c'est pas fini, c'est... Mais c'est ce qu'on disait hors tu caméra. Tu peux ranger ta carte bleue entre dans le neck pocket, quoi. Les mecs, même en 70, hein, parce qu'on se pignole sur les années 70, mais à l'époque, c'était déjà de la merde. Hein, même les 60, hein, on va se faire des ennemis, mais une Strat 60, les gars, pour en avoir eu plusieurs,
Putain, quand tu veux jouer avec, faut t'accrocher, quoi. Faut t'accrocher. Moi, les trois quarts des Strat 60 que j'ai eu en magasin, c'était bah, déjà du réglage. Bah, tu fais ce que tu peux, en fait. Tu fais vraiment ce que tu peux. C'est du cal, de la cale dans le neck pocket à tout va. C'est tout l'électronique d'origine, on vire tout, on pose un électronique complet moderne. Comme ça, le mec peut enfin jouer, quoi, tu vois. C'est Strat des années 60. Et donc c'était usuel à ces époques-là d'en acheter 4-5, parce qu'on Ça disait valait rien. Ça valait rien. Clapton, Jeff Beck ont fait ça, Mais et puis ils oui. s'en assemblaient une bonne avec les 4-5 qu'ils avaient Ça trouvé. va, ça valait rien. Ça valait rien. Maintenant, je pense qu'une guitare moderne, alors oui, on va te dire, t'as pas le mojo, t'as pas l'esthétique vraiment d'une guitare vintage, mais derrière, ça sonne, je pense, à mon sens, un petit peu mieux, parce que maintenant, il y a tellement de reproductions de micro et tout, mais en termes de lutherie, c'est 100 fois plus précis, quoi. C'est presque plus agréable à jouer, finalement, qu'une vraie Strat vintage, où là, elle va t'emmener les doigs, hein. Et puis une Strat vintage à 20 000 euros. Aussi, À il y a chaque aussi fois que ça tu qui fait limes que. une frette, tu te dis, oh, C'est je viens ça. de perdre 20 centimes. C'est ça. Et puis après, bah, tu te dis, bon, bah, refrettage. Ah oui, mais elle est plus d'origine. Ça, c'est un truc qui me rend moi un peu dingue. Après, bon, et la spéculation, elle est ce qu'elle est. Il y a des collectionneurs, des pas collectionneurs. Bon, voilà, c'est un débat sans fin. S'il y a des mecs qui achètent pour revendre 5 ou 10 ans plus tard, alors qu'ils vont absolument pas jouer avec. C'est malheureux, ça prive des gens qui, eux, potentiellement auraient joué avec, mais après, comme on dit, hein, c'est la monnaie qui dirige. Donc si t'as l'oseille pour acheter, c'est bien. Bah, si t'as pas l'oseille pour acheter, tu regardes. Ça, c'est l'aspect malheureux de ce côté-là, vraiment, de la musique. Parce que même là, finalement, tu vois, le mec est fan de VH et tout. Tu te vois, toi, claquer, c'est un SMIC, hein. Cette guitare-là, c'est un SMIC, clairement. Tu vas travailler un mois pour te payer une guitare. C'est pas grand-chose en soi, mais. Mais sur du neuf. Ça pique un peu quand même, quoi. Ça pique un peu quand même. Donc, après, c'est aussi le prix des matériaux, le prix de l'importation, c'est pas fabriqué en Europe, machin et tout. Donc, ouais, Puis la marge. Puis la marge aussi. Donc, c'est On va pas se mentir. la marge et puis la marge du fabricant, le pourcentage que va toucher l'artiste et tout. Donc, bon, voilà, c'est. Eh les gars, c'est quand que vous avez vu pour la dernière fois un Guitar Hero récent à la télé? Il y a longtemps. Ça n'existe plus les Guitar Hero récents. Alors, ils vendent moins et ils Les essaient Guitar de. Hero récents, c'est des mecs sur Sur YouTube. TikTok ou sur Instagram qui font des vidéos en accéléré et qui frappent leur guitare là. Moi, ça m'énerve, ça, j'ai envie de les Oui, mais bouffer. je veux dire, c'est même pas mainstream. Non? Tu vas montrer ça à quelqu'un dans la rue, il le connaît pas, tu vois. Ouais, c'est Combien même il ça. soit bon ou machin. Il va te dire, ah, c'est cool. Non, le vrai Guitar Hero, c'est le mec, il envoie trois notes, il te touche. Là, leur truc, Non, leur puis débile de il est mitraillette, là, connu, non, il je est trouve ça nul. mainstream. Aujourd'hui, Fender doit. Forcément, je pense qu'ils vendent moins de guitares à moins de gens. Peut-être qu'ils prennent plus de marge par guitare. Alors je pense que oui, plus de marge par guitare, mais est-ce qu'ils en vendent moins à moins de gens? Non, je pense pas. Je Tu pense crois? pas. Bah non, parce que le marché de l'occasion se porte très bien, et pour qu'il y ait un marché de l'occasion qui se porte très bien, il faut un marché du neuf qui se porte aussi très bien. Donc non, je pense que c'est devenu un. Pour certains, je pense que c'est devenu un peu un hobby de bobo, tu vois, parce que dans l'idée. Te dire voilà, je commence la guitare, je claque 2000 balles dans la guitare, 8 ou 8000 balles ou 1000 euros dans 800 euros ou 1000 balles dans l'ampli, et c'est pas tout le monde qui peut le faire, hein. C'est vraiment pas tout le monde qui peut le faire, mais bon, après, comme on dit, t'as le budget, fais-toi plaisir. Tu vois, moi c'est pareil, j'ai des gens qui arrivent, ah, je débute, c'est quoi ton budget? Bah, je voudrais acheter une guitare de débutant, mec, si t'as le budget, achète-toi une belle guitare, quoi. Tu vois, il y a des gens qui savent pas conduire, qui roulent en Porsche. Bon, bah voilà, tu sais pas jouer, achète-toi une belle guitare. Bon, ben c'est tout, hein. Bah, c'était la présentation, on va passer au jeu. Enfin, on va passer au jeu, non, on va pas passer au jeu, on va te faire un clap, on va faire genre qu'on passe au jeu. Max, il est pas là, il viendra que jeudi, on est mardi aujourd'hui, à l'heure au film. Donc voilà, on passe au jeu! Thank you.
Thank you.
Conclusion. On s'est vraiment rhabillé pareil, on est revenu 3 jours après. Ouais, ouais. On n'a pas bougé de là en fait. On a des maquilleuses qui nous ont déshabillés et rhabillés au même endroit. Et bah, conclusion. Je vais être honnête pour une fois. Fais-toi ton propre avis. Je l'ai même pas entendu brancher la guitare donc. Conclusion, ça marche bien, c'est une très bonne guitare, bon voilà, c'est pas fait pour faire de la balade. Lui, il l'a déjà entendu brancher. Moi, je l'ai déjà évidemment. Entendu, ouais, ouais. Moi, je l'ai même joué. Tu l'as même joué ? Ça fait des petits bruits comme et ça. Tu veux pas la jouer là ? Il a peur. Le stagiaire l'a joué. Et ça sonne bien ? Ouais, ça sonne bien. Et tu l'as joué dans un Marshall Studio 20 ouais. Avec un 212 frigo. Ouais. Pas incliné, donc ouais. A ou B ? Non, c'est A. Si c'est A, pas incliné et B tout droit. Ça ne servira à rien de savoir ça, mais maintenant on ne stack plus deux fois 4-12 Marshall. Ça fait boomer. Ouais, t'écoutes du Scorpion, toi. C'est une bonne guitare. Mmh. C'est tout ce qu'il faut retenir, mais le mieux c'est que t'écoutes. Et que tu l'achètes. Ouais, tu peux l'acheter aussi. Elle est à vendre. On n'a pas encore de prix, tout ça, mais on a déjà pas mal de gens dessus, alors... pour toi, 1800. On va ouvrir un ring et puis on va vous laisser vous battre. Non, elle va partir très vite, hein. J'ai déjà deux personnes dessus. Donc non, je pense que ça va tourner dans un petit peu moins de 1000 balles d'occasion. Ah oui, toujours, on rappelle, quand tu fais une vidéo, c'est que t'as pas besoin de faire la vidéo pour la vendre. Ah oui, non, c'est pas une... qu'on dise, achetez la guitare. Ah non, l'achetez pas, elle est déjà vendue de toute façon. Le mec avec le Marshall, il va revenir pour la prendre de toute façon. Donc, en fait, on l'a fait parce qu'on l'a là et que voilà, elle est en dépôt vente depuis 4 jours et que potentiellement, elle est déjà vendue. Donc non, on fait pas assez... C'est pas une vidéo à des fins commerciales. Voilà, c'est une vidéo pour te présenter un truc cool, tout simplement. Parce que c'est cool une EVH quand même. Puis bon, on a tous voulu jouer Jump ou Eruption, plus ou moins loupé, mais voilà, là on a la guitare faite pour. Donc on va laisser la place au guitare. Bah non, c'est la conclusion. Bah, oui. Il est déjà passé le guitariste. C'est dur la reprise. C'est dur la reprise. Faut vous excuser, ça fait un an qu'on n'a pas fait ça. Ouais, un an. Ouais. Mais vous nous manquiez. Ah, et puis, un peu quand même. On aimait bien certains commentaires j'adorais me de merde sur faire YouTube. Faire pisser dessus dans les commentaires. Ouais, c'est ma passion. D'ailleurs, toi, le mec qui m'a parlé de moteur à combustion interne, si tu me regardes, n'hésite pas à me répondre. C'est 20 euros de l'heure pour les cours. Allez, bisous. Bisous. C'est dur. Putain, ouais.